C'est une déclaration choc, une accusation gravissime lancée par le président américain à l'encontre du président russe. Écoutez cet extrait d'une interview de Joe Biden qui parle de Vladimir Poutine. Vous connaissez Poutine? Vous pensez que c'est un tueur? Oui, bien sûr. Et donc, quel prix doit-il payer? Le prix qu'il doit payer, vous verrez. On retrouve Agnès Varamian en direct de Washington. On se croirait en pleine guerre froide, Agnès. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est grave? Ce n'est pas une surprise, Anne-Sophie. Le mot est dur. Joe Biden, d'ailleurs, n'a pas dit exactement à quoi il se référait. Peut-être l'empoisonnement d'Alexis Navalny en août dernier. Mais Joe Biden avait prévenu avant, après élection. Fini la complaisance avec la Russie. Il a deux griefs. Le premier, ce sont les droits de l'homme. Le deuxième, c'est ce qu'il appelle l'ingérence russe dans les élections de 2016 et de 2020. D'ailleurs, très opportunément, hier, au moment de l'interview, eh bien, un nouveau rapport du renseignement américain tendait à prouver que Vladimir Poutine lui-même a ordonné de favoriser Donald Trump. Alors, va-t-on vers l'escalade? Joe Biden a promis des sanctions. Les Russes, eux, ont rappelé leur ambassadeur pour consultation.